D'abord, à l'origine, savez-vous, Sylvain, que le rose était une couleur masculine. Avant que la gent féminine se l'approprie, c'était une couleur pour les hommes. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'équipes encore sportives, et notamment en Angleterre, il y a beaucoup de roses. Et une célèbre maison de couture avec le petit nœud papillon fait beaucoup de vêtements sportifs avec un petit peu de rose. Et ça fait depuis, disons, dans les années fin 60, début 70, que c'est vraiment devenu pour les filles. Et quelle est la petite fille qui n'est pas girly, qui n'a pas sa petite poupée habillée en rose, sa chambre rose ou des dérivés roses? Donc, ceinturée avec une ceinture en cuir rose. Alors, n'oubliez pas, cette année, il faut vraiment ceinturer la taille, hein. Il y en a plein, il y en aura encore plein l'année prochaine, des ceintures en cuir. Donc, soulignez la taille, n'hésitez pas, hein. On peut investir dans les ceintures, pas de souci. Une petite veste rose pour aller travailler qui donne un petit côté chic tout en étant décontracte. Voilà, et puis des petites compensées en toile de jean.